Et le random des FCF continue d'exister puisque les équipes sont en random et tombera sur Bowser. On n'en avait pas vu assez. Après celui de Gogesta, ce sera le Bowser de Yazagi. Comment ça va se passer? On va voir. Info Showy qui joue aussi random a perdu 2-1 face à Okoflow en winner quarter, donc upset de la part de Okoflow qui prendra sa place en demi-finale qu'on verra juste après contre Gogesta. Yazagi Teoken du coup, Yazagi pareil, random toute la team FCF est en random pour ce tournoi. On va voir comment ça va se passer contre le héros de Teoken. Teoken qui se solidifie à chaque tournoi, hein. J'ai joué contre lui cette semaine, ça se solidifie petit à petit son jeu. Son jeu défensif commence à s'installer et ça pourrait être vachement fort d'ici quelques temps s'il continue de travailler tout ça. Le round 4 winner, ce sont les winners semi, donc oui, c'est toujours un stream. Si tu te poses la question, c'est la même chose depuis environ le pot 1. Tous les winners semi sont un stream. Ça vous savez qu'il y a un minimum de rounds par, de matchs par round qui sont un stream. Mais je le mets jamais pour les winners semi, vu que c'est évident que c'est un stream. Ouh, ce shit qui va être sorti par contre, et Zaggy va se faire complètement avoir par ce F-Smash. Je crois que j'ai que ça à faire, mettre à jour le barricade quand je commente. Incroyable ça là. Après là vous êtes déçus sur tout YouTube, vous dites mais oh là là. Ah, mais c'est normal ça, Showy, ça va avancer là, bientôt. Ça va avancer. T'inquiète pas, ça va pas très vite ce genre de choses. Ça fait toujours ça, et à chaque fois quand on a fini la finale winner, on est toujours en loser quarter ou semi, donc... Allez, c'est lui qui va être trouvé. Oh, dommage, là, c'était l'autre truc de la part de Yazagi se faire en edge guard. Téléportation, et Yazagi qui va tenter un peu en plus, il a raison. Ça a dit encore en finish, plus beaucoup de PM du coup de Teoken, attention à ça. Ça pourrait quand même aller à son désavantage. Attention, oh, oui, il était à peine près de ne pas en avoir assez de ça au côté de Teoken, de toute façon il va être à l'avance. Et ça reprend le stock d'avance du côté de Teoken. C'est vrai que là, s'il avait pu passer un petit kamikaze, malheureusement bon, il est que pour son kill. Heureusement j'ai envie de dire quand même, faut pas déconner. Mais bah, attention Teoken, ce crâne qui va être trouvé 30%. Encore un super crâne 60%, en taille giga classe, ça ne fera rien de plus, ça se peut bien retrouver. Il faut remonter les PM maintenant Teoken, s'il veut être tranquille, le banc est un petit peu gaspillé par contre, il a vu le jump derrière. Il a bien anticipé le crâne un petit peu trop tôt par Teoken. Et la réflexion, je sais pas si c'est vraiment utile contre Bowser, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, ça donne une confiance d'avoir ce petit shield là, on sait avec soi. Très bonne DI de Teoken, c'était parfait. C'était parfait, fallait pas aller plus loin, il s'est mis pile sur le coin. Et c'est vrai ce que dit Azerty, même on est un stream gentil, même les débiles on les accepte, et ça, ne t'inquiète pas, tu peux rester avec nous. Teoken qui va mourir sur ce side B. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un petit critique sur cette phase? Est-ce que le critique n'aurait pas été là et n'aurait pas suffi à détruire ce shield probable? Mais le shield mourra, le smash finira le stock et du coup un 0 sur cette phase incroyable de Teoken. Alors là, C'était marrant. Ce shield a disparu. Genre il était complet et il a disparu. Ce sont des choses comme ça qu'on ne sait pas trop. Yo Lootnane, comment ça va? Toutes les FCF en loser, peut-être. Peut-être bien. Alors que Pigeon a eu des petits problèmes de connexion. Aïe aïe aïe. C'est un rhume, bah écoute. Début de l'automne. Ça va aller sur PS2, je pense être les mêmes persos. Ça va repartir tranquillement. Loser avance pas, t'inquiète pas, ça va pas tarder, Gogesta. On va faire un point de toute façon après ce match. On va faire un point après ce match. Mais d'abord, deuxième match, il est tombé sur Corinne. C'est pas forcément l'espoir qu'il avait en lui.
Un épisode, peut-être que Staco va se résoudre en loser. Hein. Attends de voir aussi peut-être... Attends peut-être de voir ton... ta connexion d'ici 10 minutes quand tu retourneras à jouer. Essaye de reset ta box peut-être et... de faire ça. Ouh, ce smash chargé, ça aurait bien attendu la dodge du côté de Token, ça va être trouvé. C'est le but qui va stage spike au calme, parfait. Ah, ils ont lancé Netflix. Ah bah oui, c'est vrai que... que ça peut jouer. Ça peut jouer. T'as eu le temps de manger, bravo Alex. C'est vrai que... c'est un peu long les matchs en loser là. On va aller voir ça juste après ce match, vous inquiétez pas, on fera un petit truc. Alors que McCroft va gagner 2-1, bravo à toi McCroft. Apparemment c'est reparti sur Jigglypuff de ce que j'ai compris. Stifford va gagner 2-1, bravo à lui. Le loser qui avance tranquillement. Il nous restera plus que 2 matchs. Franklin Wellerkull, je sais pas où ça en est. On va changer de main. J'ai pas vraiment de main maintenant. Je joue ce qui me plaît en fonction des périodes. Néo va gagner 2-1 contre Lunes. Voilà, tous les scores de loser arrivent en même temps. Parfait. Bon, on a dit qu'on allait faire un point. Il nous restera plus que Franklin et Wallarkle. J'ai pas encore le score. Apparemment, ça joue encore ce match-là. Ah, mais je joue toujours un peu des cas, mais là, je joue pas de façon l'opening. Je commente aujourd'hui. Et Zeki qui va être pour l'instant en difficulté avec sa commande d'orient. Tu vois son match. On a discuté. Je vois que les user rounds avancent, donc ça c'est plutôt cool. Ça va commencer à te rattraper. À chaque fois, je m'inquiète pour loser toutes les semaines. Je dis mon dieu, c'est un retard de rounds, qu'est-ce qu'on va faire? Il y a plus de rounds en loser. Au secours, au secours, au secours. Et au final, à chaque fois, en arrivant après la finale winner, on fait bah tiens, loser est dans les temps. Donc je ne m'inquiète plus trop. Je ne m'inquiète plus trop. Ça devrait aller. J'espère. Et le smash qui va être trouvé, attention, un coup clair. Mega Bang, ça touchera pas. Je sais pas si Zeki connaît bien Hero, j'ai l'impression que c'est un peu à voir par les petites phases de base du personnage. Ça peut être qu'elle va pas être trouvée, directement fini par faire des Zeki, up tilt, ça touchera pas. C'est vrai que ça... tu sens que Corinne a quand même moins de facilité que sur Smash 4. C'est le smash qui ne passera pas, heureusement que ça n'a pas de portée. Et pour l'instant, tu connais deux stocks à 1. Teoken qui a un avantage et qui est bien parti pour assurer une place en winner semi. La FCF en PLS, FCF qui a voulu jouer random. Et la FCF qui malheureusement ne passera pas. Il a pu. Oh, il y avait la téléportation qui était là en plus. Il l'a activé. Ah, ça, quel dommage. Teoken qui avait pourtant ce qu'il fallait pour revenir. Est-ce que Mathis est là? Je sais pas. Essaye de le contacter, Stifford. Que tu demandes à chaque fois, mais contacte-les par toi-même. Cherche par toi-même les joueurs. Tag-les directement. Et pendant que Teoken confirmera ce stock et affirmera 2-0 pour Teoken.